Déjà officiellement relégués en Ligue 2 pour la saison prochaine, les Troyens tentent malgré tout de ne pas battre de tristes records. Ils ont décroché leur première victoire de la saison à domicile lors du derby face à Reims et visent ce soir une deuxième d'affilée au Stade de l'Aube face à Bordeaux en quête de points encore pour être totalement en sécurité. Bordeaux a pris 43 points en 34 matchs, c'est 12 de moins que lors de la saison passée au même stade de la compétition. Les Bordelais ouvrent le score dès la 14e minute avec Diego Rolan. Une action très simple, le dégagement de Prior, la déviation de la tête de Cheikh Diabaté et ensuite Diego Rolan qui fausse compagnie à la défense troyenne. Des Troyens qui vont essayer de réagir avec ce ballon dans la surface de réparation de Darbion. Le retrait pour Benjamin Nivet et la tentative du vétéran, du capitaine de l'Estac est sortie sur la ligne par Nicolas Palois qui faisait son retour à la compétition. Les Troyens malheureux de bout en bout avec ce but contre son camp inscrit par Chris Mavinga. 2 à 0 pour les Girondins à la 40e minute. Ce sera le score à la pause où les hommes d'Ulrich Ramé, sans être flamboyants, ont exploité les défaillances de leur adversaire, tantôt friable, tantôt maladroit, un petit peu à l'image de leur saison. Mais un petit peu à l'image de leur comportement, les hommes de Bradja vont être la tête haute et vont continuer à se battre. Vont obtenir un penalty, pas forcément évident avec cette faute de Pungé sur Darbion. Nivet transforme et prend un contre-pied Prior. 2 buts 1 pour les Girondins. Mais 4 minutes plus tard, Bordeaux va inscrire un nouveau but par l'intermédiaire de Cheikh Diabaté. Dans son style bien atypique, le Malien inscrit ici son 8e but de la saison. Il a inscrit 8 buts lors de ses 10 dernières titularisations, souvent moqué, rallié. Il affiche tout de même un ratio d'efficacité assez impressionnant. Et les Troyens vont réduire la marque par la suite avec ce très bon travail de Darbion. Le centre tendu est coupé par Corentin Jean, 3 buts à 2. Cette fin de match est très animé avec un ballon dans la profondeur pour Diego Rolan, le sang-froid de l'Uruguayen pour le 4 buts à 2, le doublé pour Rolan qui porte son total personnel à 7 unités. Bordeaux s'impose 4 à 2 et remonte à la 12e place avec un match de retard à jouer contre le PSG. Les Girondins ont désormais l'objectif de terminer en première partie de tableau, ce qui limiterait les apparences sur leur saison laborieuse.